Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée au sac d'évacuation. Bon là ça pas tout ce que j'ai en matière d'outils, de décès, de sacoche, de langue de poche, de quoi se diriger, boussole carte. Alors là c'est plus ou moins ce que j'ai pu me procurer pour l'instant. Donc là, il manquerait les vêtements, hein. Bon, là, il y a un poncho, une cagoule, mais il manquerait les affaires, t-shirt de rechange, le slip, enfin sous-vêtements, et à la limite, une veste en habit, voilà, hein. Donc, on a quoi aussi les petits pastilles pour pour nettoyer l'eau, on va dire ça comme ça. J'arrive jamais à trouver le bon mot. On a Fire Steel, hein. Il y en a aussi également un briquet, voilà, qui marche avec une bougie. Pourquoi une bougie? Parce que ça peut vous simplifier la vie en cas de pour allumer un feu. Hein, si jamais vous allumez la bougie, toujours la faire en foyer. Mais bon, normalement, on va prendre des plus grandes. Hein, mais voilà. Mais voilà. Et puis aussi en source de lumière, hein, ça vous permet d'économiser les différentes lampes frontales. Enfin, lampes frontales, lampes de poche. Hein. Bon, voilà, ça marche. Celle-là, il faut juste que je la change parce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas terrible. Bon, ça peut aussi être une manière discrète de se déplacer, une lumière qui fait juste de la lumière qu'on voit devant, sans trop éclairer. Ça peut aussi être une manière d'être discret, quoi. Ensuite, après, vous avez le sac, hein, forcément. Hein. On va pas. Voilà. Hein. Rappelez-vous de la règle des 6C, hein, contenant. Donc après on a de quoi couper aussi, bon, différents couteaux. Alors bon, là ce qu'il faudrait, c'est à la limite des couteaux, un couteau plus machette, en fait, ouais, plus une machette. Bon, pour une machette, c'est plus fait pour évoluer dans des grosses bonnes forêts bien denses et bien dense donc. Après on a la hache, hein, au cas où on a la hache. Là ce qui manquerait c'est une pelle pour faire des trous, mais ça arrive, hein. Bon, ça arrive. Là j'ai fait une présentation j'ai et au fur et à mesure des mois je vous montrerai les nouveautés. Bon, je ne débaguerai pas tout non plus parce que voilà, hein. Mais en gros ça c'est une vision globale de ce qu'il y a. Et puis à force et à mesure, on verra différentes choses encore à améliorer, à voir. Bon, là j'ai la hache, la pelle, donc qui sera là sûrement le mois prochain. Une paire de chaussures, une bonne paire de chaussures. Déjà formée à l'avance, c'est mieux, on fera une vidéo dessus. Ensuite, alors, voilà comme mon truc, j'ai rajouté ça, alors c'est une sacoche, j'ai acheté. Alors, j'utilise en ce moment dans mes vidéos pour partir en voyage, on va dire, entre guillemets, pour mes vidéos. Et du coup, en fait, elle s'adapte parfaitement à mon sac d'évacuation. Et du coup, je vais encore rajouter des poches là. Et donc, j'ai récupéré une vieille sacoche que j'avais achetée à l'époque pour un appareil photo. L'appareil photo n'existant plus. Bah, je l'ai récupéré pour faire une semi-boîte de une semi, on va dire, course de secours. Alors, il y a quoi avoir pour ma les pansements, les bandages, les compresses. Alors, c'est pas compris, c'est moins des compris. Mais pour la présentation, j'ai tenu à vous montrer quand même, parce que c'est important. Au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas de décès ou de proche de secours. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à l'accrocher là sur la sacoche, donc, ce qui permet d'avoir d'économiser sur une sacoche en moins. Bon, Fire Steel, on a vu. Boussole. Alors, j'ai une boussole, genre style porte-clés,
qui fait donc thermomètre, bien aussi, qui fait sifflet. Donc ça peut être pas mal pour se repérer avec les amis qu'on aurait peut-être perdu. Et puis boussole, hein, donc. Mais boussole qui n'est pas si complète que ça. Et après, on a la boussole, donc, avec l'azimut. Mais les différents par rapport à l'échelle, hein. Tout dépend de la carte que vous utilisez. Vous allez voir l'échelle. Ok, j'ai zoomé, voilà. Enfin, voilà. Bon, ça c'est un très bon truc. Après, vous avez une carte aussi. Et quand je ferai la vidéo sur la carte, on parlera aussi de ce que la technologie nous permet en termes de carte. Et ça fait pas mal. Ensuite, j'aime bien avoir de quoi noter. Un petit carnet. Même avoir des post-it. Ça peut toujours être sympa d'indiquer une route à quelqu'un. Ou je sais pas, hein, pour un mot, pour un truc. Il y a des ennemis, enfin, il y a des gens pas très sympas qui vous suivent, et puis vous écrivez un mot en code, enfin, j'en sais rien, hein, on n'est pas dans James Bond, mais enfin, ça peut être le cas. Ensuite, bon, tout ce qui est haut, alors, là, j'ai une gourde de 0,8, une bouteille d'eau de 2 litres, plus, bon, mais pas si, alors, l'eau, je vais me procurer deux, trois comme ça, notamment une en inox aussi, qui permet aussi de pouvoir chauffer directement pour la matérialiser, on va dire. J'arrive plus à trouver le nom, j'ai vraiment un trou avec ce truc. Donc pour pouvoir la faire devenir saine, bon, il y a 2, 4, entre 2, moi j'irais entre 3 et 5 litres d'eau. Alors en été, ouais, vous voyez le maximum, mais on parlera aussi de l'itinéraire à faire. Et puis après, un peu de corde aussi. Alors, ça c'est peut-être pas de la bonne corde, mais enfin, je le mets pour l'instant. Je testerai sur certaines choses. Mais bien, ce qui peut être bien aussi dans votre préparation, c'est qu'est-ce que vous avez acheté ou que vous avez récupéré. Ça peut toujours être bien dans le cas de tout simplement d'avoir une idée de ce matos peut vous fournir comme qualité. Ouais, parce que des fois, on peut être déçu, on peut être très surpris. On achète un truc pas cher et on se dit, oh, c'est la merde, et au final, voilà. Et voilà. Bon, alors après, ça, hein, je ne vous explique pas à quoi ça sert. Ça met un confort. Alors après, en 72 heures, si y en a un ou deux qui n'a pas pensé à y mettre, ça peut vite se dérouler. Donc voilà. Le poncho, hein, j'ai aussi la version pantalon, qui est assez sympa, pour ne pas se faire tremper, parce qu'une fois mouillé, en position de 3 jours mouillés sous la pluie, sous la neige en hiver. Croyez-moi, ça va pas être agréable. Il y a pas une espèce de cagoule, voilà. Bon. Alors, pour l'instant, ça c'est léger, on est d'accord. C'est pas vrai. Il manque des trucs, on est d'accord. Mais là, on a plus ou moins une généralité. Ça, c'est un peu parce que dans tous les sacs d'évacuation, il y aurait. Alors après, il y a des choses, oui ou non, hein, honnêtement. Par exemple, non, ça je regarde pour une autre vidéo, sinon on va trop dire dans cette vidéo. Par exemple, après, on peut avoir des ustensiles, enfin des machins un petit peu. Ça c'est pour brancher l'USB pour avoir un petit secteur. Ça peut être intéressant puisque aujourd'hui tous les téléphones et les machins sont directement USB. Dans le cas d'un truc qui n'y aura que de USB, bon, d'avoir une prise comme ça, c'est pas mal. Donc voilà. Pour cette vidéo présentation numéro 2, on va s'arrêter là, puisque sinon, il n'y a plus rien à dire, entre guillemets. Mais la suite arrive. La suite arrive. Donc voilà. Moi, je vous dis bonne préparation, soyez prévoyants, soyez survivalistes. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je vous dis à plus, les amis. Ciao!